Le numéro 8, présenté par Marie Palot et Jean-Charles Palot, farce et attrape une femelle née le 16 avril. Un cas intéressant, celui de son père Thierry Wanako, fils de Xin Qiang, qui fut en son temps le premier étalon d'ailleurs découvert par Alain Chopard. Thierry Wanako, je parle très dur sur la férule de Jean-Louis Pelletan, n'a que très peu sailli, et il a pourtant eu un pourcentage de réussite tout à fait remarquable, avec deux ou trois bons produits. La mère est par Prir Creek. Et elle, il s'agit de Ombre Jaune, c'est la souche Palot de On ira loin, un gagnant du prix Montgomery qu'on va pouvoir faire marcher, Jean-Charles. On y va. Et donc Ombre Jaune, elle a donné un bon cheval, Captain's Buck, par Bucks Boom. Vainqueur en plat, vainqueur en obstacle. Et la grand-mère Crinoline. C'est aussi une bonne jument d'obstacle qui compte 4 succès dans cette discipline. Voilà donc une souche qui renaît. Et donc le croisement de Thierry Wanako, un étalon que vous ne connaissez peut-être pas très bien. Si, dans la région, vous le connaissez bien sûr, puisqu'il faisait la monte dans la Saône-et-Loire au haras du Favry en début de carrière. Désormais, il est toujours dans la Saône-et-Loire et il bénéficie d'une deuxième naissance. Voilà donc pour le numéro 8, farce et attrape. Allez, on attend les mâles, s'il vous plaît. On attend les mâles. Les juges attendent.